gare pamfana kugwera ndo. Oh uzori uzori usise. Jaiinga. Hey limoni parangu. Ça c'est quel pays? Point d'interrogation. Deuxième vidéo qui a été mal vue. Eh! Eh, aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Jaïla! Eh, le monde part en couille! J'ai du mal à imaginer ce genre. Regarde ce truc. Eh! Eh! Je n'ai même pas fini avec les filles, c'est les garçons qui maintenant qui est. Troisième vidéo, cette fois-ci, allons-y au Marigot. My God will bless you. Allez, vive Gaba. It's not how much that have money, that have water. No woman being on earth. There is only one power and then there is only one God. Jehovah, the King of Kings, the Lord of Lords. Any other God you know, it does not concern me. Ekelonweke. This boy. Quatrième vidéo, on revient dans l'église même. Alléluia. Voilà, moi je suis très mal placé pour juger ces vidéos. Mais la question que moi je me pose toujours, pourquoi ces gens-là prennent le temps de bien filmer ça et mettre ça sur les réseaux sociaux après? Je vais encore vous lire les mêmes passages de Robert Greene dans ses 48 lois du pouvoir. Le même passage que j'avais lu dans une de mes vidéos passées. Et voici Robert Greene dit. Associez votre nom à la sensation et au scandale. Distinguez-vous en vous créant une image inoubliable, voix controversée. Faites scandale. Démarquez-vous, brillez plus que ceux qui vous entourent. Ne vous souciez pas de la qualité de l'attention que vous suscitez. C'est la notoriété, quelle qu'elle soit, qui vous donnera le pouvoir. Vaut mieux être calomnié qu'ignoré. Les 48 lois du pouvoir de Robert. Est-ce que vous savez que les églises d'aujourd'hui sont devenues des potentielles entreprises? C'est-à-dire, c'est devenu un mouvement de business, de se faire de l'argent. Remarquez, un homme de Dieu qui a sa propre église, je ne parle pas des églises qui travaillent en groupe, qui a sa propre église, qui n'est pas riche, c'est qu'il n'a pas beaucoup de fidèles d'abord. S'il a beaucoup de fidèles dans son église, forcément il va devenir riche. Mais comment maintenant attirer les gens? Comment attirer l'attention des gens sur lui? Comment attirer l'attention des gens sur son église? Mais ils vont faire des bêtises comme ça. Ils savent que quand ils vont faire ces bêtises, bon, je ne sais pas si c'est Dieu qui a demandé, donc ils ne doivent pas appeler ça bêtise. Ils savent que quand ils vont faire ces choses-là, forcément ça va attirer l'attention des gens, ça va attirer la curiosité des gens qui vont venir voir et qui vont finir par voir des gens qui vont adhérer à l'église. Vous voyez les abonnés. Bon, je vais vous donner un petit secret. Bon, pour certains, ça ne sera pas nouveau. Je vais vous rappeler un petit secret. Lorsque tu veux devenir riche rapidement, que tu veux avoir l'argent rapidement, je ne vais pas dire facilement et rapidement, parce que l'argent facile est différent de l'argent rapide. Voilà. Alors, lorsque tu veux avoir l'argent rapidement, il faut te mettre dans un business qui touche beaucoup de personnes. Il faut te mettre dans un business. Il faut faire un business qui peut faire réagir, qui peut toucher beaucoup de personnes. Mais si tu gagnes bénéfice 5 francs, 5 francs, que tu arrives à toucher 1000 personnes par jour, là, bénéfice de 5 francs, 5 francs, 5 francs par 1000, ça fait combien? 5000. Et pourtant, si tu fais un petit business, que tu trouves au moins 10 personnes, que tu gagnes 100 francs, 100 francs, 100 francs par 10, ça fait combien? 1000 francs. Donc lorsque vous voulez vous lancer dans un business, lancez-vous dans un business qui touche beaucoup de personnes. Et vous voyez le cas des réseaux sociaux, les gars, pour augmenter la valeur de leur image, ils font des buzz, ils font des trucs pour pouvoir avoir l'attention des gens autour d'eux. Et quand c'est comme ça là, forcément ils se font de l'argent.
Donc vous voyez dans ces églises aujourd'hui là, c'est un coin où beaucoup d'hommes se regroupent. Et forcément dans un coin où il y a beaucoup d'hommes, forcément l'argent sort là-bas facilement. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui la majorité de nos religions, que ce soit en Afrique, en Asie, dans tous les continents là, c'est, ça s'est transformé maintenant en des sources de revenus. Bon, peut-être que c'est la Bible qui demande ça. Moi, je ne maîtrise pas la Bible. Donc, je vais préférer me taire ici pour ne pas être condamné après. Pour ne pas que mes parents me condamnent après. Voilà. Si c'est ta première fois de tomber sur mes vidéos, voilà. Bon, mon nom qui est plus connu, ça, on va. Il fait ce genre de vidéos pour pouvoir faire comprendre un peu aux gens comment les réseaux sociaux fonctionnent. Pour ceux qui veulent se lancer dans les réseaux sociaux, comment ils vont bien se positionner pour ne pas aller quelque part puis être perdu après pour pouvoir faire un demi-tour. Donc, ici, ma petite expérience que j'ai à moi, j'essaie de partager ça avec les gens. Voilà. Mmh.